En France, le conflit à EDF. 24 heures après les coupures de courant sauvages, entre guillemets, dans plusieurs gares parisiennes, la SNCF a porté plainte. Le ministre des Finances, Nicolas Sarkozy, avait décidé, lui, de faire face aux agents. Il s'est rendu au siège de la société, à la Défense. Dans une ambiance houleuse, il a mis en garde les syndicats. Sur place, François Bodonnet, Grégory Vasseur, Alain Locascio. Par ici, monsieur. Par ici, monsieur. Et c'est qui? Son service de sécurité lui indique à droite, lui, partout droit. Quand Nicolas Sarkozy est en visite, il n'en fait qu'à sa tête. Et ça fait 2 heures que nous vous attendons. Voilà. Eh bien écoutez, je serais ravi de discuter avec vous. Discuter avec les salariés d'EDF, c'est ce que fait le ministre de l'économie depuis plusieurs semaines. Oh, oh, hey, on discute. Venez, on sera loin des braillards. Et je serais heureux de discuter avec... Dehors, 200 manifestants sont venus dire une nouvelle fois leur opposition au projet d'ouverture du capital. Et les propos du ministre font déjà réagir. Ça me fait rien du tout, moi je m'en moque, on me traite de braillard. Moi je suis content de pouvoir m'exprimer et là on est dans un pays où on a encore la chance de le faire. Les gueulards, leur principale préoccupation c'est le service public au service de la nation, au service des usagers. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy est déjà au 40e étage, face à une centaine de salariés. Est-ce que nous voulons privatiser l'entreprise? La réponse est non, non et non. Le ministre de l'économie exhorte ensuite les salariés d'EDF à ne pas se couper de l'opinion publique, allusion bien sûr au coup de force d'hier qui a touché 500 000 voyageurs de la SNCF. Nous sommes dans une démocratie, chacun doit pouvoir défendre ses idées, faire valoir ses arguments, mais les usagers du service public ne peuvent pas être pris en otage. Sarkozy, ton projet de loi pourri ! Et c'est justement au nom de la défense des usagers que la CGT demande l'organisation d'un référendum auprès de tous les clients et qu'elle entend poursuivre ses actions. Oui, la CGT.